Les premiers crédits FIFA 19 sont enfin disponibles sur IGVote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur key.igvote. Tous les liens sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez-moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo gameplay en deux jours. Et j'ai décidé de partir en match avec ce joueur qui m'avait fait kiffer FIFA 13. Enfin, c'est pas qu'il m'avait fait kiffer FIFA 13, mais j'avais kiffé ce joueur sur FIFA 13 plutôt. Il avait les 5 étoiles, c'est Gary Mackay-Steven qui est de retour avec les 5 étoiles. C'était un bon petit joueur argent à l'ancienne, à l'époque où tu pouvais jouer avec des joueurs argent et tu te faisais plaisir. Là, c'est compliqué, du coup, je sens que cette vidéo va vraiment être dure, mais je tenais quand même à le tester. Il vaut strictement rien, 500 crédits, il a une carte vraiment moyenne, mais bon, c'est Gary Mackay-Steven. Et si tu le connais pas, ben, je te mets un petit extrait. Donc voilà, c'est un joueur qui a toujours mérité les 5 étoiles. Il ne les a pas eu pendant 2 ou 3 ans, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il jouait beaucoup moins. Peut-être parce qu'il jouait dans un club un petit peu de seconde zone. Pour info, il jouait à Aberdeen en dernier écossaise. Il a joué au Celtic, ce joueur. Et c'est vrai qu'il a un petit peu tombé dans l'anonymat. Au niveau de ses stats, on va regarder ça ensemble. Il a quand même la vitesse, voilà, hein, c'est à souligner. La stat en dribble, pas mal, avec le 90 d'agilité, le 82 d'équilibre. Et le reste, ben, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Tout ce qui est frappe, c'est très très faible. Finition à 62, bon, avec le style, ça lui met plus 8. De loin, c'est pas extra. Les volées, n'en parlons pas. Au niveau de la passe, ben, pour un joueur sur le côté, c'est très faible. Hein, 64 en passe courte, complicado. Défense, n'en parlons pas, et physique, 57 de force, ça va être très très dur les gars. Bon, pour essayer de compenser la faiblesse du joueur, j'ai fait cette équipe avec bah, forcément des joueurs autour un petit peu meilleurs. On retrouve forcément Depay, hein. Bon lui vous allez le voir souvent, je l'ai packé donc ça évite de l'acheter. Voilà, il vaut 150k à l'heure qu'il est et bah, au lieu de me faire chier à acheter des joueurs, au moins je mets mes invendables. On retrouve Di Maria que j'ai acheté pour la vidéo, Fekir qu'on avait packé en récompense Division Rivals, donc bon, on va le tester, hein. J'ai toujours pas vu ce qu'il valait dans le jeu. Nous retrouvons Rabiot également, qui est bon, j'avais testé en FUT Champion, j'ai fait tout un FUT Champion avec, mais c'était le premier, et franchement, ça passe. Après, c'est pas non plus la folie, mais c'est très correct hein, pour une équipe moyenne, on va dire. La défense, ben, c'est de la Bundes, avec Upamecano, hein. Je l'ai utilisé hier, je l'ai réutilisé aujourd'hui, hein, tant qu'à faire. On a également Akanji, qui est très fort, hein, qui a une belle petite carte, Akanji, avec 80 de vitesse, une bonne défense et un bon physique. Nous avons Hit au cache pour l'hyperlink avec Akanji, et sur les côtés de la défense, on retrouve Tierney, l'écossais, hein, pour le côté écossais, hein, à droite à gauche, et Klosterman côté droit. Bref, les gars, on est parti pour tester ce joueur. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, notre adversaire? Il nous propose... alors, lui, c'est un fan du mode carrière avec Alex Hunter. Il y a tous ses cousins, là. Franchement, les gars, je connais rien sur le mode Alex Hunter. Bah, allez, here we go, hein, Mackay-Steven, le spécialiste du Hocus Pocus, qui est passé. Oh, ça a pas l'air d'être une lumière en face, hein. Pan. Ah, dommage. Oh non! Qu'est-ce qu'elle est pas loin cette frappe! Oh, il cadre pas! Et il est flingué en finition, j'ai juré, c'est pas possible quoi! Ah, ça va être compliqué ce match les gars, hein. Mes joueurs ils cadrent pas, hein. Ils veulent pas cadrer une frappe. Et tu connais la chanson, le mec va en avoir une, il va la mettre. Allez, le 1-0 quand même. Oh là là, la galère les gars, la galère ce match. Oh, le pénalty les gars, on l'a tous vu le pénalty. C'est dans la surface et ça va peut-être nous permettre de mener 2-0 dans ce match. Bon allez, on est obligé de le faire tirer les gars. On est obligé, c'est une obligation. Et ça rentre les gars, petit filet, ça fait 2-0.
Oh, il a failli nous mettre le top but. Il était pas loin du top but. Bon, tu sens que c'est galère, hein. C'est mou. C'est la frappe, c'est sa force. Hein, voilà. Tu sens qu'il a forcé là. Il va être fatigué pendant 3 jours là. Tiens, ta grand-mère. Oh, genre, arrête. Allez, ce premier match se termine, les gars. Une belle victoire face à un adversaire qui jouait pas mal en plus. Hein. Il avait fait le trio là de roast beef là, du mode carrière. Et il se démerdait plutôt bien avec, voilà, une victoire, avec un but du joueur, hein, de Mackay Steven. Ouais, c'est compliqué, je vous le dis, c'est une carte argent. C'est pour ça, vivement le Discord, les gars, parce qu'avec le Discord, justement, on pourra jouer contre avec des joueurs argent. Et du coup, tu vois, là, ça sera équilibré, parce qu'on aura tous des joueurs argent. Et joueurs argent contre joueurs argent, bah, tu vois ce que je veux dire? Ça va être équilibré. Bref, les gars, on va se faire un deuxième match. Allez, deuxième adversaire qui nous propose cette fois-ci une équipe de Liga avec un petit peu de Bundesliga et de Première Ligue. Voilà, c'est une équipe assez basique, on va dire. Hein. Je pense que c'est dans nos cordes. Oh, elle est belle. Allez, faut la finir. Oh non, mais putain, on est maudit. Putain, mais sérieux, 50 poteaux par match, quoi. Faut arrêter. Oh, il me l'enlève, mais wesh! Ah, frérot, ça veut pas, hein. Ça veut pas, hein. Le mec, il défend bien, y'a rien à dire. Hein. On a du mal, on a du mal. Pourtant, je sens qu'on est pas dégueu, tu vois. Voilà, bon. C'est plus simple de faire comme ça, les gars. Ça fait un zéro. Mais non, n'importe quoi! Ah oh, voilà, et après il faut pas rager, non. Les mecs dans les commentaires après ils vont te dire: ah, tu fais que te plaindre, mais comment tu veux pas te plaindre là-dessus, sérieusement quoi. Y'a rien à faire les gars, on se complique. C'est mon joueur qui a contré quand même. Le mec est nul à chier, il est nul, il est nul. C'est une sous-merde. C'est, il est en dessous de la merde même. Hein. Allez, t'inquiète, il va quand même avoir la chatte encore. Mais tire, j'ai tiré, je suis mort. Mais c'est quoi ce jeu? Bon, on gagne le match, mais... oh non, là, je suis désolé les gars, j'ai ragé. Et je laisse au montage. Bah non, faut que vous compreniez à un moment donné... Tous les matchs comme ça. Il n'y en a pas un qui est différent, c'est tous les matchs comme ça. Tous les matchs pareils, c'est incroyable. T'es supérieur au mec, le jeu te fait galérer. C'est incroyable, il y a des actions, mes joueurs ont littéralement refusé. Allez, troisième match les gars, on enchaîne contre cette Première Ligue assez basique, on va essayer de moins s'agacer. Oh oui, c'est bien joué ça. Oh, il y a faute. Allez, tu tires et tu marques. Mais c'est quoi? J'en ai marre, putain, il n'y a pas de finition. Oh, mais merde. On finit, mais on doit la finir avant. On n'est pas en réussite, clairement. Il y a un truc qui nous manque dans ce FIFA, c'est la chance. Et ça, moi, j'y peux rien. Oh là là, on la met au-dessus. Bon, allez, ce troisième match se termine, les gars, la victoire. Une belle victoire, hein. Franchement, en plus, on n'a vraiment pas la meilleure équipe qui soit et on arrive à bien jouer. On manque de chance, voilà, on manque juste de chance. C'est vraiment le seul point négatif. Sans ça, moi là, même s'il y a des trucs de merde encore comme d'habitude, hein, j'arrive à vraiment prendre du plaisir. Il nous manque juste cette petite réussite et ça sera vraiment parfait. Let's go les gars. Il m'en a loupé à 3 mètres et là il met une frappe de 28 mètres. Wow. Oh
Oh, elle est belle. Bien joué, Depay. Bien joué. Oh, il va mettre pause. Oh, il va quitter, les gars. On va s'en refaire un dernier. J'ai pas envie de m'arrêter là parce que... Parce que là, je commençais à mettre des jolis buts et si le mec nous coupe dans notre élan comme ça, ça va vraiment pas le faire. Ouais, on s'en refait un dernier, les gars, et c'est vraiment le dernier. Bon, les gars, mais il y aura pas de deuxième match, en fait. J'en ai fait un, là, mais bon, il y avait pas trop d'action, tout ça. Enfin, j'avais pas trop d'intérêt à vous le mettre. On l'a gagné. Enfin, il y a eu des occasions, mais c'était des trucs vite fait, tu vois. C'était pas ouf. Et le mec avait Messi, en plus, en face. Laisse tomber, je vais vous montrer son équipe. Regarde ça, il avait une équipe beaucoup plus forte que la nôtre. Et c'est vrai que c'était un match plutôt tryhard, tu vois. Là, j'ai vraiment voulu gagner parce que le mec en avait rien à foutre, mon gars. Je faisais des gestes techniques, il s'en foutait. Donc du coup, voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Concernant le Mackay Steven, bah, c'est faible, hein, voilà, c'est faible. C'est intéressant en dribble, voilà, si tu veux t'amuser, mais bon, tu peux pas t'amuser cette année, tu peux pas. Ou alors si tu joues contre des potes, ou alors bah, quand on créera le Discord, voilà, tu vois. Quand on créera le Discord et qu'on aura tous le même état d'esprit, c'est-à-dire skiller et s'en foutre du score, là, on pourra vraiment se distraire avec ces joueurs-là, que là, à l'heure qu'il est, c'est plus une corvée de jouer avec qu'une distraction, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est tout pour nous, on se donnera rendez-vous demain, les gars, gros pack opening à venir. On aura nos récompenses Division Rivals à ouvrir. Donc, je vous proposerai ça, plus mon parcours dans la division. On est en Division 3 et j'ai fait quelques matchs. Donc, voilà, je vous proposerai cette vidéo. Et puis, voilà, bref, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très, très bientôt. Ciao tout le monde.